avait dit qu'il fallait que j'essaie avec le nouveau Steam à l'occasion, leur mode post-it là. Pour quand t'es dans un jeu. Ah merde. C'est quoi, J'appuie sur le bouton pour YouTube. J'allais dire bonjour, coucou YouTube. Tu commences à parler à ce moment-là, au moment où j'appuie sur le bouton, quoi. C'est incroyable, je sais pas comment tu fais. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que ça fait depuis que je suis revenue que je parle dans le vent sur le stream, puisque le micro était coupé et le tien aussi. Ah, parfait. Coucou YouTube. Donc, personne n'a entendu sur mon stream toute ma vie que je racontais, c'est parfait. J'espère que vous allez bien, YouTube. Et coucou YouTube. Voilà. Coucou YouTube, sauf si vous êtes le tenant du bar en bas de chez Blacky. Et dans ce cas-là, allez vous faire foutre. Voilà. Et bien profond. Avec toutes mes amitiés. Cordialement. Bon. Et bah let's go. On va retourner. Ah non merde, attends, faut que je te donne. T'as peut-être envie de retrouver Brigitte. Ouais, oh ma Brigitte. Oh ma Brigitte. Oh ma Brigitte. Hop là. Donc tu vas voir les humains là? Bah ouais, puis leur dire regardez. On a la preuve. On a la prouve. On a la prouve que... Je suis le David, hein. Et si on allait voir les orques pour leur dire je vous tiens par les couilles? Ouais, non, je pense que... Juste ils vont faire ok, bah on va te tuer. Pas faux. C'est les orques, hein. T'es où toi? Tu arrives? On va plus te téléporter, tu sais. Oui. J'ai une preuve que les orques ont tué Garrick. Je savais, j'ai eu le pressentiment que Garrick était mort. Nous allons rendre honneur à sa mémoire dans le sang par Arju Lanskobol. J'en fais le serment. Encore une que vous avez découvert prouve que l'assassin est un orque. Pour moi, c'est bien assez. Tu résonnes les cris des loups et les rugissements des ours, je vais m'occuper de toi, Gotilda. Et vous avez su vous montrer digne d'un fils de la montagne, rallier ma cause, ensemble nous exterminerons les orques. De l'oreille du chasseur, il est temps de livrer bataille. Qui êtes-vous? Allez, je sais. Quelle est votre intention à l'oreille du chasseur? Si nous faisons le mieux, envahir et détruire. Elle nous a donné sûrement une réserve de pierres stellaires prête à utiliser une fois transformée en pierre de sang. Vous êtes envoyé dans les mines de l'UE. Ouais, ok. Allons des orques. Parlons d'autre chose. Parlons du mage. Parlons d'autre chose, je préfère partir. Ah, là. Bon, a priori. On va bastonner. A priori, il y a baston là. J'ai entendu Gotel là. Ouais, il est pas content. Oh, c'est verrouillé. Mais tu te casses toi là. Attends, qui est-ce qui parle? C'est marrant, yeah. il bouge pas la bouche quand il parle. Oh, y a son frère, il y a son frère jumeau à côté. Très habillé quand même. Hein.
Et pareil, elle parle sans bouger la bouche. En même temps, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui zooment sur les personnages quand ils parlent. Bah ouais, c'est vrai mais... qu'elle a pas grand chose sur le dos, la Miss Taguette. Hein. Ouais. Mais c'est connu, hein, c'est inversement proportionnel à la façon dont ça protège. Moins il y en a, plus c'est dur. Bah oui, c'est ça. Voilà, le mec qui est derrière elle, du coup, il doit pas être beaucoup protégé, hein, parce que... Ouais. Une grosse armure. Après, j'aurais bien voir leur tête sans casque. Quoi? Mais pourquoi m'attaque moi direct? Y avait connard là juste avant. Bah, elle se calme un peu l'autre là. Voilà, mais elle a combien de points d'action elle? Elle fait mal hein. Et puis Ah, y'a un chaman derrière. Y'a Madonna qui est Qui a la peur. Ok, super. C'est là que je me dis qu'on a bien fait le truc d'Era avant. Putain, et je suis encombré. Je suis encombré parce qu'il m'a baissé ma force. Ah là là. Et je vais crever. Bien. Vitalité 12. Pas mal. C'est lequel le prochain qui va bouger là? Menteur a échoué, c'est parfait. Mais la Brigitte aussi, elle a pris cher. Oh, mais chier, j'ai pas cette PA, quoi. Cette PA, c'est trop cher, quoi. Mais Richard, il est déjà mort. Hein? Richard, il est déjà mort. C'est les humains qui sont avec nous. On l'archer des montagnes, il a pas servi à grand-chose, étant donné qu'il est effrayé, mais... Vas-y, il est où le pixel là où je peux choper les trois là? Là. Voilà. Oh, mal. Un sur les trois, mais pas mal. Voilà. Genre Madonna qui a peur, comment j'y crois trop pas quoi. Voilà. Voilà, voilà. On va commencer comme ça. Piou piou piou! Ah. Oh, tu fais du 300 maintenant sur les tirs de flèche là comme ça, c'est pas mal hein. Ah là, mais l'arbalète que j'ai, mais... Elle défonce tout quoi. Bah c'est con, moi j'ai mis la super... J'ai mis la super épée moi, mais... Elle fait 131 204, 33 51 de feu, 26 40 de ténébrium quoi. Not bad. Est-ce que en passant, je ferais pas un petit coup de... D'envoûtement. Ça oh non, chouille. Mais elle s'en va en plus. Oh merde. J'ai plus de musique. Moi pareil. Bah merci, gars. Écoute, merci. Mais ils avaient 2 points de vie ou quoi? Allez. Ah d'accord. Je comprends mieux. Il est pas très doué lui hein. Tous les coups ont été manqués. Ouais, il était pas très doué lui hein.
Qu'est-ce que je fais? Dire que j'ai une pute flèche avec Brigitte, mais qu'il faut 8 points d'action. C'est nul. Il a fait tomber un paquet de trucs lui. Le mage vendeur. Ouais. Là j'ai plus lien avec elle là. Ah ça dure pas éternellement je pense. Bah ça dure au moins 4 tours je crois. Par contre, la peur de 2 tours de Madonna, ça je l'ai toujours, hein, mais. Faisons simple. Ouais, par contre, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur. Sur Brutilda, parce qu'elle a peu les revives, alors. Ouais. Vas-y, un crit. Non, mais ils ont combien de points d'action, quoi? Les archers ils ont pas l'air très doués. Hein. Petite popo là. Ça y est, Madonna est de retour. Elle fait des dégâts à 500 elle. Bah ouais, bah la rage. La ouf. Ah la ouf. Elle est sensible à quoi? Perforant, moins 50%, ok. Si en tout le reste, elle a plein de résistance. Le moins, c'est à l'air. Et elle a sa... Ah, au Ténébrium. Oh. Ça tombe bien. Je suis équipé en Ténébrium. J'ai pas une... Je crois que j'en ai une, moi. Bah, normalement, on avait... normalement, on avait une sur chaque personnage. Je crois. Feu... Ténébrium, ouais. Nécessite bâton. Un bâton ça? C'est une baguette. Ah mon cul. Attends, mais quand je vais utiliser du coup ma baguette là? Compétence. Compétence d'équipement. Ravissement. Envoûter une cible. C'est un peu la merde en fait. Je fais ça, ça va... Ah! Ah bah non, voilà! Ok, ça marche comme ça. Tac. Je ne peux pas me rapprocher, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, Madonna is back. Ça fait deux fois que je me dis qu'il faut que je me soigne avec Madonna, avec Brigitte, deux fois que j'oublie. Merde. Oh, c'était nul, hein. Quoi, il se barre, lui. C'est pas pour ça. Le mec, t'aurais mieux fait de taper, hein. Elle s'en va. Ah, oh, PSE heal. J'ai oublié que ça faisait ça. Profiter, hein. Puis regarder les points qui restent. J'ai touché qu'une fois. Dommage. Mais ça fait bien son taf. La 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 la. Mais comment c'est bien soigné par contre? Bah c'est 1700 de fois, hein. Oh. Putain, tout le monde est autour d'elle là. J'espère qu'elle a pas le tourbillol là. Tout le monde va lui faire une petite attaque d'opportunité tranquillou là. Alors. Hop, comme ça. J'ai la visu. Voilà. Calmer un peu là. M'énerve, elle est trop loin. Bon bah, je vais continuer sur Brigitte, hein. Mais du coup, elle s'est transformée. Ce que j'ai lu dans la quête. Elle est devenue une orque de l'ombre.
à cause d'une putain de branche, elle est hors de vue. Sérieusement? Voilà, tapé. Bah, tape pas là. Bah, je garde mes points. Merde. Salut Charlize! Coucou Charlize! Il s'est foutu devant moi, lui. En même temps, je fais pas de dégâts, alors. Ah, bah lui non plus, apparemment. En plus, ça met des baffes. Oh, le petit coup critique à 400, là. Ouais, le petit 409, là, il est bien. Oh, c'est encore soigné à mort, quoi. Ah non. Ah non. Il m'est bloqué. Pas mis à la buter quoi. Ah, bouge un peu. Non mais même que je fasse, que je tente une charge ou juste de bouger, je ne vais pas jusqu'à elle. Oui, mais c'est pas grave, moi tout à l'heure je me suis j'ai avancé, ça va être plus près. Voilà. Prends ça. Est-ce que c'est Tony Hop qui va l'achever avec sa baguette? Point, 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 point. Quoi? Elle est hyper puissante ma baguette, ok? Non mais... Oh là là. Alors, qu'est-ce qui est blanc que j'ai à ramasser? Plein de trucs. Alors, ça je ramasse, ça je ramasse. Ça je ramasse. Alors, attends, j'ai un paquet de trucs à identifier là. Ouais, vas-y, vas-y, je vais en train de ramasser le reste là. Mais du lourd, du très très lourd. Bah, tiens, un petit bouclier, tiens. J'ai envoyé un arc sur Brigitte aussi. Oh, immunité contre congélation. Il est à peine moins bien que mon bleu, mais il a plus de trucs dessus, donc c'est quand même plus intéressant, quoi. Mmh.
j'ai quoi actuellement là? C'est moche de choper deux compétences puis le flèche alors que je l'ai acheté. Ouais bon c'est pas trop grave. Ok. Poison ténébrium crochetage. Fornication en plus. Alors, ça. Ça. J'ai tout envoyé. Ah oui, t'as fait du grand nettoyage. It's heating up. Alors du coup. Ça fait quoi l'immolation? Bonne question, j'en sais rien. Ah, c'est pas un que t'as avec ta. Non, c'est un que j'ai trouvé. Alors, c'est sympa émulation, hein, mais 14 points d'action pour utiliser. C'est compliqué. Ouais, ça pourrait être bien pour tank et mage. Ouais, mais je crois que je l'ai. Ah, si tu l'as. Je vais garder ma régénération. Jinku, certes 7, mais qui peut sauver des vies. Ok, t'avais envoyé des trucs sur Brigitte aussi ou pas du tout? Oui, j'avais envoyé un arc.
Non, je vais garder mon équilibrium, c'est bien. Ok, bon, donc on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Qui se gare? Ouais, et il y a une cave ici. Oui, mais elle est verrouillée. Non, elle est plus. D'accord. Un petit parchemin de raise. Nice. Il y a Nolan ici. Je sais pas qui c'est. Je sais pas non plus, je vais lui causer. Une fois que j'aurai tout plié. Le guide de la torture élégante, volume 1. C'est avec qui que tu te désamorces? Ah, avec Tonya. Je viens de tomber, il est nécessaire de désamorçage. Ah cool. Ah, Nolan est mort. Je ne parlerai pas à Nolan. Il était déjà mort tout à l'heure ou... Il était déjà mort. T'as visité toutes les jaunes? Non, il y en a une qui est fermée et qui a un truc magique a priori. Il y a un bouton là. Non, non peut-être pas. Moi je me suis dit apparemment que demain c'est une bonne idée. Je t'ai encore envoyé du stuff. What a deluge!
T'as fait quelque chose? Où t'es? Je suis à la taverne. Il y a... Tu sais, il y avait le... Il y avait Gollum. Il y avait Gollum qui était... Qui était planqué encore. Ok, bah Gollum... Gollum, j'étais tout dire. Hein. Le connard. Putain, c'est pas possible. Évidemment. Tu veux que je vienne? Non, ça devrait être ok, je pense. Pourquoi je peux? Ah, parce qu'il y a Madonna devant. Effectivement, ça allait quoi. Je vois ça. Allez, on va piquer les tableaux là. Le guide de la torture élégante, volume 2. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu le volume 1, moi. Lisons-le. Ouais, très important, quoi. La torture élégante. Sweet relief. Brisez un homme. Le guide de la torture élégante par M.R. Glousser, volume 1, la chair. Cher lecteur, quoi de plus beau qu'une opportunité de transformer la chair molle et souple en des formes et styles ravissants. Le sculpteur travaille le marbre et nous la chair tendre. Les motifs choisis ne dépendent pas seulement de vos goûts, mais aussi des informations que vous souhaitez soutirer. Mes recommandations personnelles sont les suivantes. Une étoile à quatre branches pour l'emplacement des corps. Une grande tarte ronde pour l'identité d'un espion. Un cercle de rose pour une cachette d'or. Quelqu'un ici. Je crois qu'il y a des orques qui se sauvent là où je suis. Ah, attends, parce que moi j'ai un orc là et qui a l'air un peu con. Mais je sais pas du tout où t'es. Je suis au premier étage de là où se trouvait la chef. Okay. Il glisse. Il s'amuse à se faire tomber par terre. Qu'est-ce que quoi? Je vais essayer de le tabasser. Et a priori, il veut parler, mais. Ah, mais c'est pas le. Mais oui, c'est. Ah, mais merde, c'est doit être Briscoe. Ah non, non, j'ai besoin de toi en fait. J'arrive. Norok, en fait, ça doit être le celui qui est un peu concon, qui a mais qui faisait tout ce que Machine disait.
Toi, il glisse tout seul, ce con. Salut, espèce d'idiot. I'm just fine, sir man. And you? Youpi, déjoué. Où est Maman? Elle veut que je fasse quoi avec toi? Un problème, c'est ça le monstre qui a tué tous les villageois? Ce gamin? Madonna, vous devriez peut-être parler à Norok. Vous voulez que... Mais c'est impossible, l'orque dont je me souviens, c'était le mal incarné, un monstre sadique. J'ai la tête qui tourne, les tripes au bord des lèvres. Laissez-moi, regardez ce bourreau dans les yeux. Salut, on se connaît, on était copains, hein? Ouais, de bons amis, j'ai découvert tes copains de jolis... j'ai découvert tes copains de jolis rubans rouges. Et t'as des nouveaux copains? Tu veux que je leur fasse des jolis rubans aussi? N'approchez pas d'eux, monstre. C'est pas vrai, je vais être malade. D'accord, Madonna, nous sommes ensemble, y'a rien à craindre. Désolé, petit jouet. Je crie pas, maman sera fâchée si je fais du bruit. Entendez-vous par maman? Maman, la meilleure maman du monde. Les orques m'aiment bien généralement. Les frangins appellent tête brûlée, ils ont tous été tués sur le coup. Maman dit qu'elle a su que je serais le meilleur guerrier du monde. Elle me donne des tas de jouets, elle m'a montré tous les meilleurs jeux. Au début, j'aimais pas qu'elle jouait brailler, ils pleuraient quand je leur mettais du ruban ou jouais avec leurs yeux. Maman a dit le contraire, ils aimaient ça. Criaient de joie, puis ils faisaient une longue sieste. Grutilda. Ouais, c'est le nom de maman. Tu as vu? On peut jouer ensemble. Je préfère partir, hein. Camarade, mon cœur bat comme un tambour et j'ai l'impression d'être en train de perdre la tête. Voilà devant mon pire ennemi et je réalise qu'il n'est pas le monstre que je voyais en lui. C'est inconcevable. Je l'ai haï jusqu'à ce que chaque goutte de mon sang soit imprégnée de la rage qui m'animait. Haï jusqu'à ce que tout mon être crie vengeance. Et maintenant, je me rends compte que son esprit n'est pas plus développé que celui d'un enfant. Peut-être la mort et les actes de cruauté auxquels il s'est livré ne représentaient-ils qu'un jeu à ses yeux? Et les victimes qui s'accumulent tout autour de nous? Les années passent et s'enchaînent, les cadavres s'entassent, torturés et déformés par ses mains. Mais vous, camarades, vous avez fait preuve de clémence à maintes reprises. Vous affrontez toute forme impossible de cruauté, de faiblesse en lui donnant une seconde chance. Quoi qu'il en soit, les crimes de ce monstre restent impardonnables. Son esprit est peut-être embrumé, certainement fait que suivent les mauvais ordres, mais ça ne l'empêchera pas de tuer de nouveau. Camarades, au nom de l'ordre des Traxours, c'est de prêcher la clémence et ralliez-vous à ma cause, aux armes. T'es en colère, je suis désolé. Quoi qu'il soit passé, je leur ferai plus jurer. Bah oui, tu vas pas le faire vu qu'on va te casser la gueule. Merde, il est enragé ce con. Oui, il est là enfin. Aïe. Combien 507 Alors, il est sensible à l'air. Bah mec... Bzzz dans ta gueule. Je vais te ralentir aussi. Et après je vais me barrer, aussi loin que je puisse. Il m'a claqué la moitié de ma vie, ce con. Je vais pas pouvoir aller dedans parce qu'il y a putain de tabouret devant moi. Ah, c'est dangereux le tabouret, on en parle pas assez, mais... Ouais, non, mais jamais tu le renverses, lui. Hein. T'as vu la taille du machin, quoi? Mais il vient me taper. Je t'attends. Il va s'entourer ce con. La pauvre Madonna, elle a pris une pêche directe au sol, quoi. Le R, j'ai rien toujours. Hein. C'est mieux le statique. De l'air. C'est juste une question de survie. Ah, en plus, tu nous l'as étourdi, c'est bien. Bah ouais, ouh, petit coup critique à 300. En plus, tu nous l'as critiqué là. Du.
un peu d'air. De respect. Je viens de perdre mon écran qui est revenu si vite. J'ai entendu. De respect. Je sais pas. Je peux pas. J'entends les gens causer dehors alors que j'ai le casque et je me dis qu'ils sont devant ma fenêtre. C'est affolant. Alors que la fenêtre du bureau n'est même pas ouverte. Il parle fort, hein. Ah, Madonna is back. Comment tu lui as fait une gentille petite caresse dans le dos, là? Je sais même pas comment j'ai fait 92. Oh, mais non, mais il me fait de la peine. Ça n'a pas marché. Effectivement, il a buté tout le monde, mais... Il est innocent. Ah bah voilà. Ah bah mec, tu me mets des 500, mais t'as vu ce que je te mets, moi? Connard. Non mais... Bon voilà. 2006, tranquille. Spare a soul. Ah oui, clairement, ils ont épargné personne. Ouais. Ok. Mais du coup, c'est quoi la suite du programme? Soit on peut aller à droite là pour aller dans la maison, le truc du mage. On essaie de trouver la maison du mage là. Bah, la maison du mage on l'avait, c'est là où j'avais traversé sans faire exprès et puis. Ah bah. On va aller voir ce qui s'y trame. Se bastonne encore. Genre eux, ça faisait 4 jours qu'ils étaient en train de se se bourrer la gueule, tu vois. La cible est bloquée, comme de par hasard. Alors, bah lui est sensible à l'air aussi. Parce que j'ai, il me disait. Alors. Ok. C'est chaque fois qu'elle te fait ce rire là. Bizarre.
Non mais depuis quand je touche pas là, l'escalier, c'est nouveau ça? Genre elle sait pas lever les bras quoi. Yeah. Bah écoute hein. Mick Jagger. J'hallucine quoi. Boum. Tu regardes? Oui. Je crois qu'il y a des pièges à la maison. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. J'ai un doute. Hein. Ouais, mais je crois que c'est piégé. J'ai encore un petit doute. Ah là là. C'est bien fait à voir. Hein. Ah, mais la dernière fois, t'as eu trop de bol en fait à passer à travers ici et. Je suis passé tout droit. Ouais. T'as vraiment eu du bol quoi. Deux fois. On a encore balancé le truc sur toi en même temps. Ok, bon. On est un peu plus en forme. Et du coup. On peut pas y aller là. Mais il y a un télescope. T'as la cinématique là ou pas? Non. J'ai une cinématique. Bon, j'ai cliqué dessus pour l'avoir. J'ai vu un dragon. Ah, on a vu le dragon.
Le dragon de la fin du temps que l'on voit aussi. Attends, la druide Anae. La druide Anao là. J'ai. Fiole. Une fiole et un Danao. Bin. Potion de résistance au poison. Ah. Ok. Dak. Bon bah ça c'est fait. Bah il y a encore une bonne partie de la carte à explorer en fait. Bah tous les endroits on n'est pas allé. Ah oui, parce qu'à l'entrée on est arrivé directement au village là, mais il y avait encore. Il y avait pas une maison où il y avait un miroir aussi. Non, j'ai déliré. C'était dans la maison des serviteurs du mage. Bah, je serais tenté là. Ouais. Attends, c'était pas là où il y avait la trappe, si? Je sais plus. Ouais, c'est dans la maison tout en bas où t'es là. I need to dry off. Ah non, c'est pas là, ici c'était le pentagramme. Ouais, donc c'est là où il y avait la trappe, du coup. Ah oui, mais on dirait qu'il manque quelque chose au portail. Genre une pierre peut-être. Ouais. Make yourself at home for the present. He's a good and he's. Our friend, how can we help you? Many is the year since ghoul or beast, as you may know. This town was founded as the last bulwark against the source monstrino, little more than its name. If not much to see here, I'm afraid. How very strange to see a friendly face in these dark times. A cat told you. I don't know much about source hunters. If what you say is true, it must be Jinxica to whom you spoke. How we called for old Jinxy before going into hiding. Oh, that, but he had been some. Ok, bon, ça n'a pas servi à grand chose. Sodden all the way to my boot soles. Ah, je suis au combat. Avec... Ah. Il reste des orques en ville. Ah bah ouais, forcément, c'était blindé donc. J'essaie de me rapprocher et puis. Je te file un coup de main. Bah merde! Rejoins-moi par vers moi parce que l'autre côté tu vas avoir des problèmes. Ah oui, il y en a d'autres là-bas aussi. Passe par le bas, ouais. Ouais, effectivement, il y en avait d'autres là-bas aussi. Là, il y a Nurt. Ils ont des grosses haches, les tueurs. Ils sont où?
fait, il y avait un humain qui courait, du coup je l'ai suivi et paf, ça a fait des chocs à pic. Ouais, ouais, forcément. Dans le combat là, ça y est. Mmh. Bon, bah, moi je vais commencer par avancer. Hein. Oui, pauvre fou. Bah non, qui reste. Qui reste, il nous aide pendant ce temps-là. Amiro de la cagnotte. Oh. Il était bien ce petit coup là. Qu'est-ce qu'on a dit sur les phrases hors contexte? Il y a un contexte. J'ai tiré avec Brigitte. Oh, c'est pire. C'est encore pire quand tu mets du contexte. Ah, tu vois, finalement, faut pas, c'est mieux. Hey, tiens un euro dans la cagnotte, toi. Comme si je t'avais pas entendu, là. Elle est vraiment bizarre quand même. Ouais. Ils font des trucs. C'est je. J'affaiblis un gars quoi, mais je vais en taper un autre quoi. Là, il préfère se déplacer et tabasser lui plutôt que de tabasser celui qui est à côté de lui. Enfin, c'est étrange. Ouais. Et c'est pas une attaque d'opportunité, bien sûr. Bah oui, c'est ça, quoi. Alors... Attention, je crois qu'il y a du... je crois qu'il y a l'électricité par terre. Je crois aussi. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Hein. Non, j'ai aucune idée. J'ai plus assez de points d'action. Pourquoi quand c'est les archers des montagnes qui meurent, on gagne pas des points? Ouais. Ça serait bien. Tu piques, Malo.
Tu t'es fait un cauchemar, tu viens de blottir dans mes bras comme si t'avais fait un cauchemar. Ok, plus que tu têtes. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai tué quelqu'un qui disait c'est bizarre, ça paraît mouillé par terre. Soit mouillé, oui, d'accord, mais c'est surtout mouillé et électrifié, quoi. Bah, je pensais vraiment qu'elle allait passer à côté. J'ai fait gaffe, hein, et je me suis dit, bon, bah, passer à côté, tu vois, mais en fait, non, elle a un pixel dans l'électricité, quoi. Un pixel de pied. Je voulais faire un truc pour le boulot, hein, je pense que ça verra demain, quoi. Au bout de ta vie. Ah ouais, non, je pique du nez là. Une cata. Je pense que après ce combat, on pourrait s'arrêter. Que je t'ai vu que je commence à lutter aussi de mon côté. Ça marche. Ça marche, ça me va. C'est que je dis, voilà, je commence à piquer du nez et tout. C'est au moment où je dis ça où Rabia descend et se fout devant la porte et commence à chialer, quoi. Si tu veux, on parle de Malo qui vient se chier dans mes bras pour avoir son canapé à pouille là. Non mais ça, ça... Oui mais ok. Mais là moi elle veut sortir tu vois donc elle... Putain ouais, ça y est elle commence déjà à hurler là. Et donc bah je peux pas mettre au lit tant qu'elle est dehors quoi. Bah tu la fous pas dehors. Ah, merde j'ai tout... merde j'ai étourdi tout le monde. Désolé les gars. Bon pas moi hein. Pas concerné. Y a une bonne dague là par terre je pense que pour toi ça. Ton Brigitte. Les Dax c'est merde les Dax c'est dextérité et merci Red Bull pour le raid. Vous arrivez quand on vient de dire qu'on allait s'arrêter. C'est moche. Toujours. Parce qu'on est un peu au bout de notre vie. Et coucou Red Bull. Et salut Cormano et salut Ataraxiste. Une bonne dague comme dans les carambars, ouais c'est ça, une bonne dague. Ouais, tu peux. C'est mérité alors. Largement. Ouin 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 ouin. Dans les carambars. Non mais le mec il ramasse tout sauf l'or alors qu'il se plaît que je lui file pas de la thune quoi. Et les carambars c'est chez Aqua, vous êtes trompé. Miaou. Attendez, il faut que j'aille parler au chat. Salut de JB. Je me suis pas trompé cette fois. Parlez-moi de vos domestiques, parlez-moi de vous plutôt. Voilà. Ce qui est bien. Comment ça s'est passé Diablo 12 là hein. Red Bull était sur Diablo 12. Mmh. Ah bah je crois que le... Tu sais l'ogre... Ah non ils sont morts tous les deux. Oh ils sont morts tous les deux main dans la main. Non. Non. Je sais pas où t'es. Sur les... Sur les amoureux interraciaux. I'm warm as fresh apple pie. I feel like I've just had a long bath. Ils sont morts côte à côte. Il y a du fromage à côté de toi à ramasser. Oui, c'est du fromage, on s'en fout. Ouais, ça peut te sauver la vie dans un combat quand t'as plus de potions. Mais j'ai 1 million de trucs à becter. Avec du fromage, tu fais une pizza. Oh. Prends-le le fromage si tu l'aimes tant. Non, j'ai assez mangé ce soir. J'ai déjà mangé une pizza.
ça c'est le moulin. On a encore des trucs à faire ici ou pas du coup? Non, on a fini là. Oh, j'ai récupéré un diams. Je te le donne, tiens. Je suis comme ça, moi. Je te donne des diams, moi. Tu sais que tu dis ça et je pense à la chanson de Bruel. Quoi? Quelle chanson? Marre de cette nana. J'étais bien mieux avant. Kelly n'est pas maman tout le temps. Tu veux pas parler à Roux du coup vu qu'on est dans les villages là? À Roux? Il est juste à gauche. Wesh Haru. Haru, que faites-vous ici? Qu'avez-vous découvert? Blablabla. Bon bah voilà, il avait rien d'autre à dire. Donc du coup, on va pouvoir monter. Monter plus haut. Découvrir d'autres trucs de la carte. Et bisous Red Bull, merci d'être passé et bienvenue à tous. Bisous. Mais ici on va pas tarder. Ouais bah ouais. Ah, il y a une grotte ici. Il y a une mine. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la mine? Bah. Est-ce que c'est une bonne idée? T'es déjà parti toi? C'est un tunnel sinistre. Ouais, c'est une mine quoi. On s'arrête là? Ouais. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais. Et qui là-bas? Un garde infesté de spores. Effectivement, oui. Ah, y en a qui ont pas soigné leurs mycoses aux pieds. Voyez, si vous avez des mycoses aux pieds un jour, et que vous les soignez pas, bah voilà ce que ça donne après. Donc, déconnez pas avec ça. Hein. Vraiment, hein. Faites attention. Hop, allez, je sauvegarde. Des bisous YouTube. Bonne nuit YouTube.